Hey, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la crypte. J'espère que le live sera pas pourri à chier en soir. Beaucoup de problèmes avec internet. Donc, du coup, j'espère que ça sera fluide. Donc, je m'excuse d'avance hein, si c'est dégueulasse, mais on va tenter de faire quelque chose de bien. Donc, on se retrouve sur. Moi je reste sur un machin poulet, voilà. Voilà, Il manque le haut de l'image. Quel haut d'image? Il manque le haut de l'image. Comment ça, il manque le haut de l'image? Je comprends pas, Torlock. C'est-à-dire. Sur mon retour, ça a l'air de jouer. Enfin, je comprends pas. Et déjà, bonjour Torlock. Les portes des Numaniacs ont été conçues pour protéger. Ben, je sais plus. Et donc, maintenant, l'intro et l'histoire commencent. Au cœur des forêts d'Albion se nichait la petite ville d'Oakval, inaltérée par le temps et épargnée par l'épée. Ok. J'ai C'est la l'impression que c'est dernière Internet qui garçon chie dans la un colle H24, garçon tu sais. qui rêvait de devenir un jour Un un héros. héros. Parfois, il s'imaginait en noble chevalier ou en puissant magicien. Je vous laisse deviner ce qu'on va faire. Parfois encore, il se Ah, voyait en intéressant. guerrier maléfique. Mais même dans ses rêves de grandeur les plus fous, il était bien loin d'imaginer le pouvoir et le destin qui. Mon Dieu, le pouvoir et le destin qui nous attendaient. Donc j'ai l'impression que c'est fluide. Hein. Allez, debout. Encore à rêvasser, hein? Comme ta mère, toujours la tête dans les nuages. Donc on va faire une run gentille. Hein. Ah voilà, c'est bien, on est à 10 FPS. 10 FPS quand le jeu se lance, c'est parfait. C'est bien. Tu ne lui as pas encore offert de cadeau. 19 Ne me dis FPS. pas que tu as oublié. Pas question que je fasse tout pour toi cette fois. Oui, écoute, papa. Je te donnerai Ah, une 40 pièce d'or pour FPS. chaque bonne action que tu feras Oui, au combat. d'accord. Ça devrait être suffisant pour un cadeau. Oui, je lui trouverai un cadeau. Vas-y, et évite les ennuis. L'éternelle intro des fables, hein, où tu dois trouver un cadeau pour quelqu'un que tu aimes. Ça a l'air d'être fluide. Ok. Comment je parle aux gens déjà? Ah voilà. Oh je non. sais, mais je sais pas Oh où. non, tu as J'ai perdu Rosie. Rembourrage, mais je l'ai tracé un mignon petit tour de Ah. bûche. D'accord. Voilà, pardon, par contre, ça c'était obligé. Hein. Tout bon joueur de Oui, un fable, beau c'est message. que tu dois shooter dans un poulet quand t'en vois. Il y a même une stat de dégagement de poulet et de tête. Meurs, sale poule! Meurs! Vous me trouvez drôle! Du coup. Ah, le garde. Bonjour, monsieur le garde. Écoute. On va prier pour que ça reste fluide. Meurs, sale poule! Donc, on doit retrouver Rosie, mais sauf erreur, Rosie. C'est des petits cons qui l'ont pris. Non, j'ai quitté Discord parce que bah ça Faites me ce qui est bon bouffe pour vous. Respectez une les lois. pété d'internet. Donc du coup, oui, j'ai volontairement quitté Discord, mais je reste sur le chat. Hein, si je vois que ça ne fonctionne pas, Ah, la Teresa, c'est la frangine. Si je vois que Discord chie dans la colle ou je sais pas quoi, enfin machin, le live chie dans la colle, on verra. On dit que quelqu'un nous voit. Putain, mais elle a les yeux perçants, ma soeur. Hein. Ouais, mais je dis clairement libérer la bande passante parce que je chie dans la colle. Ah oui. Je suis occupé avec le mort, il commençait à m'énerver à jouer avec ma sœur et son ours en peluche. Il ne veut pas me le rendre depuis que j'ai dit que je lui arracherais la tête. J'ai dit que s'il ne faisait pas ce que je voulais, je ferais de sa vie un.
Bah. Pardon, ouais, je live tôt à cause de. Bah, des problèmes. J'ai eu des problèmes d'internet toute la journée, donc je voulais pas. Je voulais pas que ça. Voilà, c'était. C'était être sûr de ne pas avoir de problème. Voilà, l'ours en peluche. Parfait. Ouais, c'est bien, t'as pété la gueule à quelqu'un, tu es gentil. Ouais, je sais, je vous ai habitué à 20h30, pas à 19h, mais c'était question de. D'éviter que le. Si jamais le live y pétait, qu'au moins je puisse me faire remplacer assez vite en fait. Comme ça, on est clear. Où est la petite? Fillette, t'es où? Salut fiston! Souhaite un bon anniversaire à ta sœur, d'accord? Je le ferai. Ah oui, il y a l'autre qui fait de l'adultère là derrière. Mais oui, c'est vrai, je suis. Ah putain, par contre, vous, vous êtes buggés, les mecs, hein. Ouais, bah oui, bah je pensais pas que ça me tomberait sur le coin de la gueule, mais ma foi, voilà, hein. Voilà, j'ai accompli une bonne action. Notre père nous donnera une petite pièce d'or. Une grande diverte. Salut, gars. Je suis un marchand. Je parcours le monde. Une petite. Et il paraît qu'il se trouve que j'ai une Voilà, jolie lui. boîte de bonbons avec moi. Une boîte de bonbons, oui. Pour 3 pièces d'or, il. Peut-être plus. Rappelle-toi. Rappelle-toi, ça coûte 3 balles. Ah, le poulet. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Mon bon Ariane, Marie. D'accord, je sais où il est, madame. Il est en train de bégoter une fille dans un village pas plus grand qu'une mouchoire de poche. Il est con. Il est con, il pourrait au moins aller faire aller dans la forêt. Non, parce que c'est vraiment le dernier des cons, hein. Quoi, mais j'ai pas un mot après ma femme est à la maison, mais un homme devrait pouvoir faire ce qu'il lui. Je vais te dire. Bon gars, tiens, un conseil, occupe-toi. J'ai commis une mauvaise action, mais j'ai eu une pièce d'or. Ouais, sauf qu'en fait, moi je suis un enculé doublé d'une sale race, donc voilà, je vais aller chercher sa femme. Il volera vos... Je t'ai eu, petit... Il part... Aide à une... Ce comportement n'est... Tu étais... Tu dois prendre compte... En reste un, ouais, je me bats les couilles. Mais où est... Avec une... Je gère, l'a dit. Oui. Merci de ma... Voilà. Totalement logique, hein. Attendez que j'attrape ce gros porc. Et là, on a direct assez de thunes. Je crois que le live continue toujours, enfin j'espère du moins. Hein. Mais si tu crois, écoute, bien. Voilà, on a rushé le truc. Voilà, là, elle est en train d'aller défoncer son mari, sauf erreur. Voilà. Bah ouais, vachement. T'es tellement dû pour elle que t'étais avec une autre gonzesse. Bien joué, Wilbur. Donc parlons au marchand maintenant. Vite. Oui. Ils sont à... Un stock incroyable. C'est tellement incroyable que je n'avais qu'une boîte de chocolat. Mais ouais, les intros de Fab, c'est un peu toujours ça, mais ça dérange pas. C'est pas mal aussi. Et bonjour, bonjour, sœurette. Que tu es moche, ma sœur. Tu n'as pas oublié quel jour on était, comme l'an dernier. Désolée de t'avoir réveillée cette nuit. J'ai encore fait l'un de ces rêves. J'étais dans ce champ. Excusez-moi. Quelque chose est arrivé, mais je ne sais pas quoi. Mais on s'en fiche. J'attends toujours mon cadeau. Dis-moi. Je savais que tu m'offrirais des chocolats. Comme dans mon rêve. Rentrons à la maison. Mère sera de retour pour ma fête à tout moment. Voilà, mère sera de retour. Pardon hein, pour ce petit machin. Je devais envoyer un message à quelqu'un. Attends, il y a un problème. Bandit! Ah, le Moyen-Âge. Oui, on a le syndrome Freeman, on ne parle pas, c'est comme ça.
my god! Le mal s'était abattu sur Oakford. Oh mon dieu. Les bandits brandissant feu et acier tuaient et brûlaient tout sur leur passé. Les saligots! Des flammes rouges sang embrasèrent la nuit et les villageois hurlaient et imploraient pitié. Mais juste écrire ou à l'autre staff. Hein. Les pillards arrivèrent à la dernière maison où vivait le petit garçon et sa femme. Le petit garçon. Et ces gens qu'ils avaient massacrés. Mais oui, tu nous spoil un peu tout le scénario, Bernard. Le père se battit pour défendre les siens, mais il n'était nullement guerrier et fut mortellement blessé. Ah bah oui, ça c'est un petit peu triste. Les bandits mirent la maison à sac, mais ne purent trouver le garçon. Fable 1, ça fait des années que j'ai pas joué. Hein. Malgré la torture et les menaces, sa sœur et sa mère demeurèrent silencieuses. Elles furent emmenées par leurs assaillants. Lich, Aligo! Le petit garçon, caché dans les bois, fut témoin du carnage. Sa vie tout entière venait d'être réduite. J'aime beaucoup le... Parce qu'en plus, cette tapisserie, tu la verras tout le long du jeu, à chaque événement marquant. Oh mon dieu, je spoil sur les trucs du jeu. Mais c'est cool quand même. Oh non! Maman! Papa! Mon petit baba! Je dois vous retrouver. Est-ce que je peux passer par ici? Oui. Maman, papa, j'arrive. Ah. Non, papounet. Je fais une voix horrible. Hein. Non, mon petit papa. Il a pris cher. Hein. Oh mon dieu, non. Ah, heureusement que c'est la version anniversary refaite, nickel. Parce que... à l'époque, ça faisait mal. Hein. Enfin, moi, je suis nostalgique, mais je pense que je montre ça à un enfant moderne. Il dégueule, hein, parce qu'il trouvera ça trop laid. Du gland. D'accord. Attaquer un villageois avec une arme, c'est un crime grave. Je pensais que ton estomac était plus costaud. Oui, mais un jour on peut se beurrer la tronche comme un porc. J'avais oublié. Là pour l'instant j'ai le grade buveur de thé, mais tu peux genre être pilier de bar et des trucs du style, ça c'est marrant. Mais oui. Il n'y a plus rien pour toi à Oakval. Si tu étais resté, tu serais mort. Ah, j'ai vomi en 20 FPS, c'est trop triste. Vraiment navré hein, pour la tristesse, tout ça, quoi. Ça me fait un peu chier. Je m'appelle Maz et je dirige la guilde. D'accord, Maze. Oui. Il n'existe pas d'endroit plus sûr dans tout l'Albion. Oui. Tu peux même l'appeler ton foyer. Si tu j'ai plus le choix. Hein. Il te faudra suivre l'entraînement que nous seuls proposons. Tout à fait. Donc c'est le stage payant de la salle, de la salle sportive. Je vais te présenter au maître de la guilde. Il sera ton guide. Le guide. Non, il était bien marrant celui-là. Heroes Guild. Oh. Conduisez-le dans les dortoirs avec la fille. Vous ne m'avez pas l'air d'avoir l'étoffe d'un héros. Mais Maz, c'est ce qu'il fait. Enfin, je crois. Voilà, tu te fais déjà défoncer. Tu te fais exploser le cul. On m'a dit que vous étiez un petit peu une petite merde, mon bon monsieur. Vous partagerez cette chambre avec Whisper, l'une de nos plus brillantes élèves. Elle voilà, super. Joue dans les bois pour le moment. Vous la verrez dans la matinée. Pour l'heure, allez vous reposer. Vous commencez demain. Mais par contre, genre, désolé pour ta famille, ça a dû être dur. Non, 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 tu es un héros de jeu vidéo, tu es une merde. Quelle nuit t'as dû passer, hein, je veux dire, t'as dû pleurer toute la nuit. Mais non, c'est beau, quoi.
C'est cool. Faut se réveiller. Plus petit que je ne pensais. Moi, c'est Whisper. Je suis là depuis un mois. J'avais la chambre rien que pour moi, mais... C'est pas grave. Tu parles en dormant. Tu faisais un cauchemar. Ma famille s'est fait massacrer. Il y en a qui tiennent pas une semaine. D'accord. Je pense que je suis dépressif. Le maître de la guilde nous attend dans la salle de la carte. Ne sois pas en retard le premier jour. Suis-moi. D'accord. Je pourrais avoir des habits aussi. J'en ai marre d'être dans ma propre merde. Est-ce que vous avez de quoi vous laver? On dirait que le maître de la guilde en a eu assez d'attendre. Il doit être au terrain d'entraînement après la rivière. Allons-y. Tu as une voix un peu masculine quand même. Bon bah je croyais que c'était moi qui te suivais. Par où que c'est ce bordel, nanana. Pardon. Hey, salut Fonsoyeur. J'espère que tu vas bien. Qui part en moonwalk. D'accord, bah j'entre dans le ring. Je veux que vous frappiez ce mannequin aussi fort que possible. D'accord. Continuez, je vous dirai quand arrêter. D'accord. J'ai mes petits bras de fille. Eh bien, ces impacts m'ont l'air plutôt faibles, hein. Bah ouais. Essayez ça. En même temps, tu parles à un paysan. Le bâton. Il savait que j'étais un maître du bâton. Spada. Ah, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux avec mon petit bâtonnet. Comme ce mannequin, il libère des orbes d'expérience. Ces orbes contiennent l'expérience gagnée lors du combat. D'accord. Ramassez-les, c'est très important. Donc le mannequin est vivant. Tout à fait. Ramassez cela. Oui, monsieur. Wow. Bon travail. Demain, nous pourrons... C'est l'alarme de la guilde. On dirait que quelque chose rôde dans les bois. C'est une bonne occasion de tester votre force d'âme. J'ai conduit par 15 heures. Oui, d'accord. Il y a peut-être des loups, des trolls. Mais vas-y, gamin, tu as un petit bâton. D'accord. Tu es des scarabées. Donc, en gros, tu sais que genre, y a, tu sais qu'il y a des scarabées, mais t'envoies un enfant. Oh. Oh, il peut pas cuisiner. Parfait. Je peux péter et faire le beau gosse, parfait. J'espère que le live est bon, quoi. Les bois de la guilde. Attention, ils ne sont pas loin. Je les entends, ces fichus scarabées. Approchez, bande de merde. Donc il faut pas s'attendre à du gameplay ultime, hein, ça... ce n'est qu'un remaster de d'un vieux jeu de 2004. Je sais plus exactement quelle année il est sorti en plus, ça bleu. Je sais plus du tout. Ça fait tellement longtemps. Quelqu'un peut regarder. Oh, je suis trop fort. Ah oui, puis ça c'est quand t'avais rempli un truc, tu pouvais balancer une attaque qui déchire. Le 1, ça reste quand même un des fables les plus cool, quoi. C'est à ceci compter qu'il n'y en a que 3 selon moi, hein. Je ne compte pas Fable The Journey, qui était uniquement pour les élitistes sur... je sais plus quoi. Voilà. Non, je me suis fait appuyer. Vous avez bien mérité un peu d'argent de poche. Ah oui, de l'argent de poche, super. Plus d'argent, les serviteurs ont sûrement besoin d'aide. Vous pouvez entrer en début de soirée. Adressez-vous à moi quand vous serez prêt à dormir. Oui, je veux. Le petit garçon vécu pour la guilde. Pardon. Le souvenir des flammes d'eau valent le Tarodet. Mais il n'eut bientôt plus d'autres préoccupations que l'entraînement. Oui. Plus fort et plus agile. Tout à fait.
Et il développa un strabisme sur les peintures, enfin les teintures. Vu qu'on va tout mettre dans la force, on va vachement être un érudit, quoi. Oh, j'avais dit que ça serait un bon gars. On se lève, petit flemmard. Nous devions traverser la rivière pour rencontrer le maître de la guilde. Ta gueule, Whisper. C'était il y a une heure. On ferait bien d'y aller. En vitesse. Mais c'est bien en fait. Je suis vachement parti en vitesse en fait. Nice. Parfait. Ah non, ça va. Cassez-vous. Excusez-moi. Bon, là, je me suis mis pour éviter de vous péter les oreilles. Encore en retard. Mais oui. Laissez votre bâton de côté. Nous commençons l'entraînement. Ça c'est cool. Habituez-vous au poids de cette épée et essayez de toucher Whisper avec. D'accord. Épée longue d'affaire. Allez, voyons de quoi tu es capable, fermier. Soyez attentif, ce que je vais vous apprendre pourrait d'accord, apprends-moi. La vie d'un héros est dangereuse. Vous devez apprendre à bloquer les attaques de vos ennemis si vous voulez vivre longtemps. D'accord. Whisper va vous attaquer, mais vous pouvez bloquer ses coups avec votre arme. Les coups ne sont pas parables, mais vous devriez pouvoir bloquer toutes les attaques. Comment je fais ça? Ah bah non, c'est pas ça. Ne bouge pas quand je frappe. Bloquer ses attaques, mon gars. Je sais plus comment on fait. Ah voilà. Ah maintenant je sais comment te parer. Comment as-tu paré ça? J'appuie sur la bonne touche au bon moment. Ah non, il m'a tapé. Hey, tu es censé parer mes attaques. Ouais. Mais la meilleure défense, c'est l'attaque, n'est-ce pas, Whisper? Bien. Voyons si vous pouvez combiner. Ah putain, alors Tonnerre. Voilà, le grand frère de Whisper. Bonjour, Tonnerre. Vous êtes venu voir les progrès de votre sœur? On peut dire ça. Whisper m'a dit qu'elle s'entraînait avec un fermier. Tellement aimable. Maz pense qu'il possède un grand potentiel. De taille à faire face à ma petite sœur. Nous allons voir. Whisper et le garçon s'entraînent à la mêlée en ce moment. Voyons lequel des deux a le plus appris de son entraînement. Tous les coups sont permis, comme pour... Voilà. Ça va pas du tout, Whisper. Tu dois travailler plus. Tu t'entraînes contre un paysan. Dommage, vous auriez appris un truc. Bah non, vu qu'on était en train de travailler ici. L'entraînement, si vous voulez y aller un jour. Sans votre intervention, je l'aurais bien battu. Mais oui. Nous manquons déjà cruellement de héros. Il est inutile de vous étriper ainsi à l'entraînement. On aurait dû utiliser les bâtons, hein. Passer à la prochaine étape de l'entraînement, je serai sur le champ. Et au sujet de votre performance. Bien, continuez à combattre comme ça et vous irez loin. Merci. Au sujet de votre performance. Oh, très légume. Retrouvez-moi ensuite au chantier pour poursuivre. Oui, faisons cela. Ah non, je suis juste venu.
Commençons par voir si vous pouvez toucher les trois cibles immobiles. Et mettez-y de la force, plus vous tendez la corde de l'arc... Ah, la gueule de mon perso, quoi. Bien rester dans le cercle. Bravo! Vous avez touché toutes les cibles. Merci. Mais les ennemis ne restent pas immobiles. Passons maintenant à des cibles mouvantes. Vous avez une minute pour faire le maximum de points. La cible de devant vaut 1 point, celle du milieu en vaut 3, et la cible de derrière rapporte 9 points. Ibi. Souvenez-vous, plus vous tendez la corde de l'arc... Allez, gars, sortez votre arc. Ça faisait tellement longtemps. Hey, mon petit bandeur, je t'ai déjà raconté comment j'ai muni tes grands frères à la bataille en Pologne et en France en 1940. J'espère que tu vas bien, très cher ami. Que tu passes un bon début de semaine. Personnellement, bah, je suis content de pouvoir liver quelque chose sans être mort à l'intérieur. Hein. Oh, merci, Papy Grenier! Mais écoute, ouais, tranquille. D'accord, je vais sur l'île de la cascade. Bah, regarde à gauche, il y a des dauphins. Allez, Papy. Va sur l'île près de la cascade. Ça c'est fait. Non, je m'en bats les couilles, frère. Mais l'os, putain. Allez, bouge ton cul, papy. Ouais, c'est le maître de la guilde. Oh, une porte démoniaque. Qu'est-ce qu'il faut déjà pour lui parler à elle? Je sais plus. Ah, mais oui. Vous allez apprendre les pouvoirs de volonté. Vous êtes un sorcier, héros. Voyons ce que vous savez. Il y a des pouvoirs quand même assez chouettes, genre tu pouvais foutre une sorte de sphère sur ton arc. Unlimited power. Vous en touchez en 30 secondes. N'attaquez que les mannequins qui sont tournés vers le centre de l'île. Vous ne marquerez pas de points en les touchant derrière. Vous perdrez seulement du mana. D'accord. Les pouvoirs de volonté consomment du mana, qui se régénère progressivement. Putain, mais... Non! Oh, mais c'est dommage ce Panzer! Mais cours, rattraper ce retard! Ils sont géniaux ces jeux, ils sont complètement débiles! Mais non, je m'en fous de l'entraînement de la volonté! Passe! Non, mais de toute façon, fuck it, nous on veut juste aller faire. J'espère que vous êtes prêts! La maîtrise des talents de héros demande de. Demande des années. Les enseignements aisément, mais il y avait toujours plus. J'aime bien le aisément.
Pendant des années, la guilde fut son foyer, son école, sa vie. En même temps, sa famille, il n'en avait plus. Ses aspirations se tournaient vers l'extérieur. Ah bah ouais, les couilles bleues, ça te donne envie de voyager, hein, c'est bien connu. Vint enfin le jour de ses épreuves finales. S'il réussissait, ce serait la fin de son enfant. Je les ai tous pourtant jamais mis de pied. Il recevrait le sceau de la guilde et serait libre de forger son... Oh, le gameplay, non. Au bout de moment... Bah, le gameplay du 1 est assez cool. Celui du 3 et du 2, bah, c'est les mêmes, hein, factuellement. Il y a 2-3 trucs qui changent, mais... Par contre, qu'est-ce qu'un personnage est moche, hein, ça c'est quelque chose sur lequel on va s'accorder très vite, hein, il est dégueulasse. Merci. Il me semble qu'on va devoir affronter un troll ou une connerie du style, je sais plus exactement. Ah. Attends. Quoi? Je devais faire quoi? Putain. Ah bah d'accord, mais mettez pas un icône qui clignote pour rien, diantre. Oh, petite roulade stylée. Que tu te demandes comment passer l'épreuve finale. Oui. C'est simple. Tu dois me vaincre en utilisant tout ce que tu as appris. Ah, les ouais, alors le The Witcher 1, par contre, j'ai du mal. J'ai énormément de mal. Mais non, la rage, c'est le côté obscur. Utilise ton arc. Pas trop près quand même. Je peux pas te tirer dessus à bout portant. Attachez-moi. Un beau coup. Excellent. Pour terminer, lance-moi le sort. Oui, électrocute-moi, Harry. Putain, alors si c'est ça les éclairs, waouh, j'ai presque honte quoi. Ouais, il faut y passer, c'est sûr. Le maître de la guilde va donc te remettre ton sceau de la guilde. Ouais, mon téléporteur personnel. J'en ai de la chance. Sauf qu'en gros, donc ils foutent le diplôme de héros à n'importe qui, quoi. C'est pas n'importe quoi. Eh bien, c'est le grand jour, garçon. Ouais, garçon. Du jour où vous êtes arrivé, et regardez-vous maintenant. Maz avait raison de croire. Allez, bah, merci. Venez. La cérémonie aura lieu dans la salle du destin. La salle du destin. Ouh, ouais, alors c'est clair que... Bon, les Witcher, c'est quand même des gros jeux, hein. Depuis des années, vous travaillez dur pour mériter le titre de héros. Aujourd'hui, votre apprentissage prend fin. Vous partez pour accomplir de grandes tâches. Des faits qui resteront dans le cœur des gens. C'est là où on va se marrer, hein. Ou qui les terrifieront. C'est une époque troublée. Les ombres d'Albion s'éveillent et des vents étranges. C'est tout en gros, hein. C'est les mecs qui forment des héros, mais après, si les mecs, c'est genre le grand seigneur des ténèbres, ils s'en foutent, hein. Non, non, nous on les forme juste, hein. On leur enseigne aucun code moral, hein. Ils peuvent tuer tout ce qu'ils veulent, hein. Y a pas de souci. Voilà, il m'a donné une petite barrette de coke, hein. Du départ, mon garçon. Vous êtes plus que jamais membre de la guilde. Wow. Sur la table de la carte, vous trouverez des détails sur les quêtes que les héros d'Albion peuvent accomplir. Trop bien. Et vous reviendrez souvent pour transformer votre expérience en compétences. Ce n'est que comme cela que vous progresserez en tant que héros. Venez ah, trop fort. Je vous expliquerai comment faire. Va vers la lumière, Billy.
Alors, physique 1, santé 1. Est-ce que je peux... Voilà, on va prendre physique 1. Précision. Je sais plus. Ah, les flammes, ça c'est un bon pouvoir, les boules de feu. C'est plutôt débile. C'est à genre. Poussée magique qui était pas mal. Assez bien à prendre. C'est trop con. Ralentissement est très chouette aussi. Le drain de vie, c'est un peu putassier, mais. Mais genre. C'est-à-dire qu'on s'en fout, c'était. Bon, le soin, il était un peu demandé. Et ça, c'est puits de flèche qui est beaucoup trop cool comme sort. Ou genre, après, tu faisais un tir chargé, donc du coup, par conséquent, il y avait genre. Masse flèche dans la gueule des types, c'était assez hilarant. Super, genre, juste assez, même pas. Ouais. Chose à vous enseigner, mais si vous avez besoin de conseils, je serai là. Et votre sceau de la guilde me permettra de vous parler à tout moment. Vous verrez aussi qu'il clignote quand vous avez assez d'expérience à commencer. C'est trop bien, hein, il est trop cool le Natel de service. Suffire pour un moment. Vous avez tout un monde à explorer. Oui, maître, je ne vous décevrai pas. Mais quelle est ma briquette en fait? Choisissez. Ça, j'ai jamais compris pourquoi je pouvais jamais la faire. Pourquoi? Matilda Revolt, Nassau Glades, aucun charisme ce perso. Ouais, alors ça c'est quelque chose d'assez triste, c'est que en soit nos personnages dans les fables n'ont zéro charisme. Hein, ça. Il y a dans le 3 où il parle, d'ailleurs, c'est le seul fable où ton perso a entre guillemets autre chose qu'un. Suivez-moi. Où ton perso peut avoir plus ou moins de charisme et prendre des choix et des décisions. D'ailleurs, le truc qui a toujours plus ou moins été absurde dans les fables, c'est la. Comment on dit. Oui, sa gueule, c'est toujours été le nom de femme que tu pouvais avoir. Oh non, des guêpes! Je dois sauver les gens. Votre tyrannie sur cette terre de pique-nique n'a que trop duré. Créature du démon. Ah. Ta gueule, ouais, puis les guêpes, elles font un bruit de cochon. Oui, il est arrivé avec sa grosse épée, il a tué des petits insectes. Ouais, bon, par contre, quand tu vois ce truc, t'es un peu. Ouais, t'es moins bien quand même. Ah, il y en a une qui s'est un peu défoncée contre un mur. Ah, par contre on peut prendre des tartes. Attaquez encore la reine des guêpes. Utilisez vos pouvoirs de volonté contre elle. Pas besoin. L'arc c'est genre 120 fois plus pété. Ce canon solaire fut construit pour commémorer la victoire la plus célèbre de Jack au cours de la bataille de la moisson sanglante. D'accord. Ferme ta gueule. Ah oui, et puis il y a une histoire de renommée et tout, c'est débile. Ouais. Voilà, c'est les trois ivrognes qui avaient oublié leur tarte, leur pomme et tout ça. Ouais, je vais pouvoir prendre mon paquet au petit pique-nique.
recevez une nouvelle quête. Oui, merci. Ah. Je m'en fous, mais laisse-moi prendre les trucs, quoi. Merci. Puis ça, j'ai pas... Ah, merci. Barbe, je t'en l'heure. Voilà. Je sais plus du tout comment ça marche. Bon, en même temps, j'aurais pu lire. Hein. Ah, faut y jouer un peu, faut se faire sa propre idée dessus. Mas vous cherche partout. Il vous attend à la taverne de Bowerstone. Ah. Alors j'irai à la taverne de Bowerstone. Vous pourriez être comme moi. Hey, vous sentez le rap. Il y a des trucs quand même à faire, je veux dire, il y a des interactions sociales, mais totalement fuckées et débiles à faire. Pour séduire les gens, pour être leurs amis, mais c'est ultime. Enfin, dans le 2, c'est encore plus drôle. Ah oui, mais alors dis-toi, Panzer, tu as un... Attention, là, pour l'instant, mon personnage a le grade buveur de thé, mais si je me débrouille bien, je pourrais avoir le grade pilier de bar. Non, non, ce jeu n'est pas dénué d'intérêt. Tu peux même choper la ch'touille dans le 2. Ah mais par contre vous avez plus d'yeux, monsieur. Bowerstone est une ville paisible. Je vais devoir confisquer vos armes pour l'instant. Donnez-les-moi. Il y a des échoppes, des tavernes, des gens. D'accord, des ok. Jeux. Alors explique-moi, c'est comme à une Japan Expo, donc en gros, quand je vais acheter une arme, elle va être dans un carton, c'est ça. Enfin, explique-moi un peu. Se trouve ici et faites preuve de respect. C'est la maîtresse. Tu peux te la taper. Profitez bien dans le 1 et dans le 2. Par contre, toi, tu me fais flipper, mec. T'as pas d'yeux. Ah mon dieu! Ah! Maz, sauve-moi! Tu as aimé être au centre des attentions. Hein? Ah bah oui, j'ai adoré ça. Oui. J'ai eu vent de ton combat contre la reine Gep. Oui, bravo! On dirait un croisement entre un chien qui a... Ouais, alors là, pas que des soucis de santé dans le dessus. Hein. Mais mon personnage, il a un peu la gueule de Schwarzenegger. Il a un peu la tête carrée d'un Autrichien. Attention. Je pensais que les bandits avaient tué toute ta famille et que tu étais le suivant. Mais il semblerait qu'il y ait eu un autre survivant. L'expression, l'expression du soulagement d'un homme qui pense avoir retrouvé sa famille. Putain, quoi, mais la gueule de mon perso. Ça pour ça, moi dans le 2, c'était mieux foutu. Tu vas pas à chaque fois retourner au même endroit. Quoi? Tu es moche, fillette. Bah, vas-y, je te suis. Rends-toi ta gueule. Stéréotype sur les Autrichiens, version low cost de Charty. Ouais, mais désolé. Non, mais ça, madame, ça s'appelle la sélection naturelle. Hein. Ça, c'est. Dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais il lui faut d'autres champignons pour le soigner. Vous êtes sûr que c'est bien combattre le feu par le feu? Chez moi-même, mais je dois m'occuper d'Aldi. Pouvez-vous nous aider? Vous êtes caissière, donc voilà, petite blague de merde. Ben, je veux bien la vous aider. Ici. Alors, vous... Je veux bien, mais ils sont où les champignons, c'est ça? Meurs, ville champignon. Oh, salut Alvin. Mmh.
moi j'aime bien la gueule du katana dans le monde d'Albion. Ouais, mais c'est des gamins quoi, mais bon après. Ah, mais il y a des moyens de se faire des armes assez facilement, sauf erreur. Et puis l'ongle à chier. Mais genre, il n'y a pas des vêtements, non? Ouais, de toute façon, on va se le dire. Hein. Puis vendre, bah. Voilà. Au revoir. Mon cousin dit qu'il se passe des choses bizarres. Mais il se passe toujours des choses bizarres dans Albion, monsieur. Eh bien. Ah oui, ça c'est les portails pour la guilde, c'est vrai. Tu... Porte de culis, le moyen rapide OBS en Albion. Oui, merci. Je sais. Les portes dans culis. Voilà, la taverne donc. Mais merci, merci, merci bien Panzer. Je te souhaite un bon taf. Et donc, nous allons donc nous faire, nous allons donc boire un fût de bière à ta santé. Est-ce que je peux donner de la bière aux gens? Mais moi, je veux la boire, ma bière. Et parce qu'après les gens ils sont. Putain, comment on fait déjà pour picoler? Arrêtez de me regarder! Non, foutez-moi la paix. Ce que vous avez de mieux. Voilà! Vous êtes à la recherche d'une bonne lame? Hey! Voilà, tu peux bourrer la gueule aux gens. Oui, tu peux avoir un garde du corps. Une carte de quête importante vous attend à la guilde. Hey! Ce jeu est débile. Mais je veux me beurrer la tronche, s'il vous plaît. Laissez-moi être ivre. Justement, une fois, je m'étais mis une monstre murgée pour qu'il y ait des loups-garous. Ah, tiens donc. Ah, bonjour. Vous devez être le jeune homme dont Maz parle tout le temps. Je ne vois pas ce qu'il vous trouve. Enfin, Maz a l'œil de l'expert. D'accord. Je me présente, Églantine. Vous me connaissez sans doute de réputation. Non. Mais nous n'avons pas le temps pour les autographes. Je vais à Knossel Glade pour une mission importante. Oui. À ce propos, si vous venez pour les cartes de quête, toutes les meilleures ont été prises. Mais je suis sûre que la guilde a du travail pour vous. Il paraît que les cuisines sont sales. Salope. Je t'emmerde, connasse. Du coup, voilà. Comment je sors déjà, putain? Mais non, mais. Mongolerie! Fuck! Je sais plus comment on utilise le HUD. Bon, on va se taper dehors, hein, parce qu'on sait plus comment ouvrir une putain de porte. Puis on verra quoi comment. Voilà. Splendide. Il suffit d'avancer comme un connard devant. Donc à peu près dans tous les fables, tu retrouves entre guillemets cette organisation autour de Bower Stone et puis la carte ouais, plus ou moins grande, ouais, c'est pas non plus l'open world du siècle, mais après moi j'ai mon petit côté. Si tu restes immobile. T'es de la guilde, non?
quel endroit. Et j'étais sur les pierres dans la mare près de la porte qui parle quand le champi m'a échappé. Ah, le champi t'a échappé. Vous avez tous des problèmes, les mecs, hein. Ah bah voilà. Glou, glou, glou. Puis genre, tu peux te mettre des monstres murgés. Alors comme ça, tu vas travailler à la ferme au verger. Je savais que c'était ta vocation. Oh, ta gueule, Louise. Hier, à la guilde, Lady Grey a fixé cette quête pour le camp opposé. Peut-être devrais-je la faire. J'espère que tu t'es entraîné. Il te faudra toute l'expérience possible pour me battre. À plus tard, le fermier. Toi, je vais tellement te tuer plus tard. Salut. Vous ne pouvez rien contre ma toute puissance. Ouah, j'ai lâché ce monstre de cauchemar. La chose très drôle, c'est que tu peux décapiter à la flèche. Hein. Je vous montrerai ça sur un bandit. Oh là 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 là. Le lac de Great Wood. Je me souviens plus du tout qu'il fallait traverser toute cette connerie pour... Ah, c'est pas bon, dit. Le bruit qu'ils font des machins. Vous êtes au bon endroit. Oh wow. Tatouage du griffon. Mon dieu. Tête de singe argent. Allez hop. Continuons notre petite esbroufa, c'est pas là que je dois aller. Ouais, bah j'ai quand même une grosse nostalgie à jouer à ce jeu, c'est un peu toute mon enfance. Enfin, toute mon enfance. Bon, faut pas déconner, mais une grande partie de mon... Mon amusement qui était là-dedans, quoi, quand je l'ai acheté. Bon, pire, cette petite anecdote, quand je l'ai acheté, je l'avais sur la grosse Xbox Tank. Je pensais que personne ne répondrait à l'appel. Oh putain, que tu es moche. Ça va pas changer, ça va pas changer. Il y a trop de bandits. Ils vont me raser ma ferme. Non, nous ne les laisserons pas faire. J'ai trouvé ces pierres. Elles sont porteuses de malheur. Ma femme Jenna ne les veut pas près de la maison, alors elles sont dans des caisses dans la grange. D'accord. Elles doivent valoir une fortune, on dit que les tigres les veut. J'ai déjà perdu 3 aides pour ces raids. Ce sont sûrement eux. Je ferais mieux de rentrer m'occuper de ma femme. Elle est terrifiée. Tout à fait. Donc comme je disais, hein, c'était
Gros moment de fun pour moi, j'allais lancer le jeu et tout, et puis non, ma télé, la télé de l'époque de ma chambre m'avait lâché. La dèche. Déjà, bande de petits pieds. Voilà, hein. C'est pas la plus oufissime des quêtes, hein, mais. Il y a d'autres bandits, Ralphie! Genre avant les décapiter. Flèche bien placée. Faut que j'essaye. Oh putain, il a ramassé. Voilà d'autres bandits. Faut tellement rire avec le vent. Comment ok. Et y a rien du tout, ce con. Les mecs qui sont beurrés, quoi. Oh, tu as appris de nouvelles attaques? Non, non. Eh bien, tu n'es pas le seul. Ah. J'espère que tu as appris à placer des bottes. Car c'est ton seul moyen de te rapprocher de moi. Allez, essaie de me toucher avec une botte. Eh Whisper, ça fait mal les flèches. Ça fait mal. Voilà. Je suis battu. Bon, cette quête est pour toi alors. Bah oui, tu n'auras ouais. Pas toujours cette chance, fermier. Nous nous reverrons un jour. Mais oui. Et je serai prête. Mais oui. Comme débile quoi, je veux dire. Je peux pas, y a pas, c'est pas possible quoi, je veux dire, la guilde devrait être fermée depuis 10 000 ans quoi, ça forme des super-héros et des super-méchants en soi quoi, c'est débile. Mais apparemment elles ont de la valeur pour quelqu'un. Je parlerai de vous à tout le monde. On a besoin de héros. Merci! Non mais cette façon d'applaudir, bordel. Téléportation. Ouais, ça va pas être non plus le plus long live de l'histoire, mais ah, on va quand même tâcher de le faire durer un peu. Fait un peu longtemps qu'on n'a pas livé correctement non plus, donc tâchons de faire ça correctement. Ça peut être bien. On peut alors en magie, mais rien fait du tout, quoi. Ah, soit du soin, soit du. Mmh.
Ouais, mais c'est plus drôle de faire un peu de magie débile. Puis voilà, parfait. Massacre de hub. Non, on peut les mettre, on va faire l'escorte des mecs dans Darkwood. Ah voilà, en fait, j'étais trop con. Mais je sais pas en rien peut-être. Ah oui, il me semble que dehors le mec de la guild, c'est le gars qui t'a. Oh mon dieu, j'ai trouvé ma première clé en argent. Tellement chiant t'as trouvé entre parenthèses. Tu te sens bien, mec ? Oui. Voilà, ce que je disais là avant. J'ai pas tant de choses drôles. Putain, non, moi je veux juste tirer, shooter dans sa tête. Bon, il veut pas. Mais normalement, tu peux shooter dans la tête des ennemis avec moins gros enculé. Plus ou moins magnifiquement drôle. Taïo, messire, Taïo. Mais oui, faisons du commerce. Ça coûte tellement cher. Surtout que tu prends en drop de ces fioles de résurrection. Parlons. Ta gueule. Herculé, hein. Ce qui est marrant avec avec ce jeu, c'est que bah, autant il a des, on va dire, un peu un côté enfantin dans dans ses graphismes et tout ça, mais il traite de sujets quand même assez adultes, quoi. Essayez d'augmenter votre multiplicateur. Bon, on pense c'est pas non plus le meilleur des fables, hein, mais. Ouais, j'ai une tarte aux pommes. Un jour merveilleux. J'aime bien comment il s'habille avec vous. Ravi de vous servir. Ah, lui, c'est la juste le vendeur itinérant. Tatouage. Thank you.
on va continuer à s'appeler chasse-poulet, ou hein, tu peux aussi t'appeler Tartempion. Hein. Oups. Mais quoi, vous... Mais ferme ta gueule! Mais oui, c'est moi, Chasse-Poulet. Le héros du quotidien. Bah oh, tiens, tu as un pis. Personnellement, je sais pas, c'est pas le truc le plus effarant du monde, hein. C'est clair que c'est pas les gameplays de The Witcher et machin, mais ça reste un bon jeu. Comme j'en aimais tellement, y'en a pas. J'espère que vous avez l'or. Ces bandits nous tueront pour s'amuser. Que tu ne veuilles finir raide. Aboule les piécettes et on te laisse passer. Allez, j'attends. Voilà votre paiement, malandrin. Vous ne l'emporterez pas au paradis, canaille. Bouffe-toi du cul. Ouais. Regardez-moi, je suis pollué, mon. Bon bah on va quand même clear la zone, hein. Ça, c'est des gros enculés, alors on les tue tous, principe. Ah oui, c'est juste ces tonneaux de merde, ils explosent. Ce qui en soi est pas très logique, mais bon. Voilà, il y a des petits coffres. Les gens là, les mieux ont alors rangé leur fortune dans des coffres en bois. Vous trouverez généralement des coffres spéciaux à clé d'argent à travers le monde. Pour les ouvrir, vous aurez besoin d'un certain nombre de clés d'argent. Et ben, ouvre-le ce coffre à la con. Amélioration flamme. Ouh, ça c'est cool ça. Il faut intégrer, tu ne peux plus l'enlever. Ça fait plaisir. Marteau d'acier, nice. Très très le nice. Du coup, on va chercher.
semble avoir chopé un marteau mon cul d'acier là. Pourquoi je ne peux pas point l'équiper? Oh, il est là. Un marteau d'acier qui ressemble plus à une petite pioche, hein, on va se le dire. Enfin, ça peut être un bec de corbin, mais bon. Le principe de marteau, c'est d'avoir une tête de marteau et de taper avec la tête de marteau. Hein. Oh, une porte démoniaque. Voilà le contrat accompli. Très maléfique, elle est devant moi et je m'ouvrirai. Ça sera pas une porte qu'on ouvrira dans notre première run. Oh mon dieu, les villes scarabées pour fendeur le voyageur. Putain, mais... Viens, chérie. Je peux être chauve, c'est parfait. Charme 48, effroi moins 48, modifie ton allemand 0-0. Favori, côtelette. Oh, oh, oh. Barbe de clochard. Rasage de près. Tu peux avoir de ses gueules. Ah bah oui, mais on est obligé de se prendre la. On est obligé d'être chauve, ma foi. Je peux être. Ah, t'es putain d'accord. Ah la gueule que j'ai, c'est génial. Ah j'en suis si bon. Grotte de Great Wood. Ah oui, c'est des hubs. Donc les hubs un peu dans ce monde, c'est censé être les gobelins à la con, mon cul ou je sais plus quoi. Puis tu t'ouvres sur quoi? Augmente donc ton multiplicateur de coût. D'accord. Oh non! On vous rendra par aux Fields, à l'autre bout de Darkwood. Ouvrez le chemin, nous suivons de près. D'accord. Si nous aurons quitté cette maudite forêt, mais ce sera. Des choses pas naturelles y rôdent. C'est pas pour rien que ça s'appelle Darkwood. Je suis derrière vous. Dans Darkwood, vous trouverez la chapelle de Skorb. Plaisez aux divinités, et elles insuffleront le mal dans votre âme. Chose m'a mordu et laissé pour mort. Vous pouvez m'emmener? On ne peut pas le laisser nous suivre. Il est infecté. Il nous mangera avant qu'on s'en rende compte. Nous avons prêté le serment des marchands. Il faut l'aider. C'est le serment des marchands qui le dit. Vraiment pas une bonne idée. Je paye bien et je ne vous causerai pas d'ennui. Merci. Je vous suis très reconnaissant. J'arrive. Balverine, un peu les loups-garous du machin.
attention, voyageur. Seuls les mes gardiens peuvent mettre à ces épreuves. J'avais compris ça. Attends. Essayez d'augmenter votre multiplicateur de combat. C'est ça la vie de marchand. C'est pas de rester debout près d'un étal. Je n'en suis pas si sûr. Prudence, ces sports sont mortels. Gardez vos distances, tout le monde. Ouf, cool ça. Quand j'étais petit, mon père me racontait l'histoire de ces marchands égarés. Lorsqu'ils n'eurent plus de vivres, ils se mangèrent entre eux. Gardez vos histoires pour vous, d'accord? Si j'ai des enfants, ils feront un métier sans risque, ça oui. C'est pas un boulot pour un homme marié. On dit qu'il y a de bonnes opportunités à Barrowfields. S'il n'y en a pas, je quitte ce fichu boulot. Non, parce qu'il faut bien clean tout le truc, parce que sinon les mecs ils réussissent. On continue ? Ils réussissent encore à se buter dans les sports en mode ah non ! Des blés. Il y a un camp de marchands à la prochaine porte. Mais soyons prudents, il paraît qu'il y a. Voilà ce qu'il disait, c'est qu'il paraît qu'il y avait des bandits. Je ne sais pas pour vous. Je suis derrière vous. Hop, ça c'est clear. Ça me ramène dans mes années de jeune marchand de vis. Téléportation. Ah, il y a une botte de cuir. Ça, c'est bien, sauf erreur. Attends. Il y avait des stats dans le. Enfin, on va dire qu'il y avait des stats d'armure aussi dans celui-là. Chose qu'il n'y avait pas vraiment dans les autres. Je ne sais pas pour vous, mais je me contenterai de commerce local. J'avoue, les contrôles sont un petit peu daubés du cul. Il faut chercher un peu parce que c'est genre un coffre ou une commande du style. Ah voilà, qu'est-ce que je dis? Pardon. Je suis là. J'ai vraiment mal aux pieds. Hop. Par contre, ils font un peu chier quand même, parce que ils se laissent tabasser des pauvres merdes. Ok, bon, c'est pas ce que c'est, ça. Je sens que je ne tiendrai plus très longtemps. Fallait être moins fragile, mais bon, monsieur. J'ai le sentiment que tout va bien se passer. Voilà, c'est marrant parce que à chaque fois, t'as toujours des. Un,
un pseudo-couple de pessimistes et d'optimistes. Voici le premier camp. Nous pouvons attendre là si vous avez des choses à faire. Reposons-nous et achetons des livres. Chassez les poulets. Oui. Cool ça. Allez, soyez sérieux, 2 minutes, vous êtes au bon endroit. Ah, c'est cool ça par contre. Longue d'acier, ça c'est bien ça. Darkwood est un endroit dangereux. Comment ça va? Et les affaires? Pas mal. Je vais à la file. Il paraît qu'on peut se faire un paquet là-bas. Je suis derrière vous. Vous êtes au bon endroit. Ah voilà, cool, chemise noire de village, ouais. Plastron de cuir. Ah, la plate, oui. Jambières de cuir. Si on peut prendre le plastron de cuir, puis voilà, hop. Tant il nous reste plus beaucoup de thunes. Mais oui, on sait que Darkwood c'est un endroit dangereux. Nous sommes les, hein, ça c'est évident, mais voilà, il le fallait. Aussi peut-être. Voilà. Soyez un peu sérieux, je ne vais pas me transformer. Mais bien sûr, je vous crois, mon ami. C'est un cauchemar. Un cauchemar long et atroce. Oh putain, mais ta gueule. Il est chiant. Donc moi je pense que mes horaires de live, à partir d'avril, ils seront comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux. Et il y a malheureusement que des arcs dans Fable 1. Enfin, des arcs. Ouais, je dis dans le sens, il n'y en a pas d'autres dans les autres fables. Et que dans celui-là où il y a des arcs, ce qui est trop dommage. Parce que les arcs, c'est quand même pire cool. J'ai l'impression d'être parti depuis des siècles. Vous d'abord. Bon, on va se dire les. Les hubs sont quand même plus stylés dans. Ils sont plus stylés dans le 2 et dans le 3.
ont vraiment une gueule de gobelins dans le 2 et le 3. Là, ils sont, on dirait juste des petites patates sorties du sol. Je pense que je... Je savais que c'était une mauvaise journée. Je le savais. Passez devant. Je suis content d'avoir de tels compagnons. Éloignez-vous de moi. Mais voilà, hein, pauvre homme, hein, désolé. Oh, j'ai marché dans un truc mouillé. Sortez-moi de là. Nous y sommes presque. Oui, encore un peu et nous y serons. Oui, ça c'est les trolls, je sais plus quelle merde. Bravo. Qu'est-ce que c'était? J'organise mes sorts. Il fait toujours aussi mal s'enculer. Ah, je sais, ça doit pas être le plus fantasmagorique pour vous, mais c'est un bon jeu, je vous assure. Il est bon, mon jeu, il est bon, putain! On ne tâche. On a réussi et grâce à vous voilà enfin. Ouais. Vous avez maintenant assez de renom pour utiliser l'expression pose virile. Moi, je peux utiliser pose virile. Votre nouveau rang est reconnu. Ouah, je suis reconnu. Ichou. Il se trouve dans la taverne d'Ogval. Ça semble fou. Je suis de ma gueule tout, c'est fou. Recevez une nouvelle quête. Vous cherchez des champignons bleus? Vous êtes... Ils ont beaucoup de succès, je peux vous dire. J'en ai vendu un à un marchand près de... Oh oui, j'en ai vendu un à une femme plutôt misérable qui traîne près de l'aire de pique-nique. L'autre, alors... Intéressé? Vous n'en voulez pas? Tant pis pour vous. Un champignon ordinaire, Harry. Merci. N'allez pas tomber. Oh, bonjour, Jean-Claude. Alors, c'est vous le nouveau guignol? Voilà, tout le monde se fout de ma gueule. C'est magnifique, les gens, ils sont là. Ah, 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 je pourrais tellement tout vous tuer. Bon, ça a l'air d'être stable, Akko a l'air d'être revenu à la normale, espérons-le. Oui. Bonjour.
Je me souviens de toi. Nous pensions que tu étais mort dans le raid des bandits il y a longtemps. Qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps? Les flashbacks du Vietnam, non, ça recommence. Tu vas bien? Un instant, j'ai cru que t'étais ailleurs. Oui. Bon, il faut que j'y aille. Mais ça m'a fait plaisir de te revoir. Salut. Eh bien, il passait où ton ourson là? Je vais le remplacer. D'accord. Une prophétesse aveugle vit avec le clan de l'âme. Se pourrait qu'elle puisse en apprendre plus sur ta sœur. La prophétesse conseille le roi bandit. Le roi bandit. C'est pas un hasard si les bandits sont si efficaces depuis quelque temps. Quelque temps. C'était un héros autrefois. Un véritable géant. Mais il ne supportait plus la guilde. Il l'a quittée et a uni une douzaine de clans de bandits. Je l'ai toujours soupçonné d'être derrière l'attaque de ton foyer. Voilà ta chance de te venger. Vengeance. Leur camp ne doit pas être trop loin d'Ogval. Le village est souvent attaqué. J'ai laissé une carte de quête à la guilde. Choisissez vos quêtes à la guilde. Choisissez vos quêtes à la guilde. La base virale VPS a été mise à jour. La porte, putain! Ah! Bien sûr. Ah mais oui. C'est juste, tu peux entre guillemets payer les types 1000 balles pour qu'ils te foutent la paix et que tu puisses. C'est vous, hein. Voilà. C'est toi, Billy. Oh non, pas Robin. Pas lui, non. Non. Pas lui. Vous pouvez pas utiliser ce lit, celui-là je peux. Putain, 100 balles la nuit, mais mec. Haha. Tellement tous vous péter les gueules. Qui court à Walp? Bonjour. Casque de maille. Quand même, 700 boules, hein. Casque de maille radieux. Chapeau de Dave. Qui était une fois appelé Dave, qui parcourait l'allemand le corps entièrement couvert de boîtes. Un jour, qu'il se trouvait sur les quais d'Ogval, on le prit par erreur pour un collier, on l'explique, désolé. T'as quoi? Mais moi je veux le lire. Donc, en gros, c'est un chapeau Minecraft, mais après, est-ce qu'ils ont toute la. C'est tellement ouf ça. Pour de tenue de la volonté. Ah, attention, c'est du cuir radieux. Chemise de maille radieuse. Peut-être comme une tremble-boule. Ou le radieuse. Ouais, tu peux te travestir, c'est ça qui est magnifique dans ce jeu. Enfin, globalement, tu peux faire n'importe quoi. Un gantelet de plate.
Excusez-moi. Après, genre, t'as les épées d'obsidienne. Qu'elle fait beaucoup plus mal, puis ensuite, ainsi de suite. Je sais plus ce qu'il y a après l'obsidienne. L'arc des bannes, il est bien. Il fait sa mère de dégâts. J'hésite presque à me dire, allez, je craque et puis je le prends. Du coup, hop. Alors c'est pas le plus fantastique hein, quand on fait de l'équipement à ce genre de conneries, hein, ça je peux l'admettre largement. Hop. T'as genre une quête au bout du port, je sais plus où, c'est sympa. Ah oui. Mon amour, je me tiens souvent ici, à fixer la mer. Mon cher mari a disparu en mer, il y a des années. Il était parti pêcher et n'est jamais revenu. Mais je n'ai pas abandonné l'idée de le revoir un jour. Genre après tu croises un fantôme, Justine. Oui, je vais me conformer à vous, là. Vous inquiétez pas, les enfants. Moi, je m'en fous. C'est quoi ici? Jardin commémoratif. Genre ici, je sais que tu peux genre creuser par là. Totalement faire de la putain de profanation de sépulture. Ah oui, puis attends, faut lire les pierres tombales. Sur cette tombe, il est écrit victime d'un raid de bandits carbonisé au point d'en être méconnaissable. J'étudie la fermentation. Sur cette tombe, il est écrit que du travail et pas de jeu. C'est ainsi que semble fonctionner le monde. Ok. Ok, allons, hop. Et je suis mort, vous êtes content maintenant. Parce que t'es très décalé et fun dans Fable, que j'aime bien. Victime d'un raid, ouais, d'accord. Yann, le peintre fou de Fecini, s'est étranglé dans sa propre chevelure. Ok. M.K. Dunn, mort à deux pièces d'or. Le mot. Tout ce qu'on a, quoi? Ok. Quelqu'un échange sa place avec moi. Ici repose Robert qui raffolait la bière, une aubaine pour les vers qui se repaissent de sa chair. Ok. Non inconnu, ce marchand itinérant passait à Oakvale la nuit du raid. Ah putain, c'est le gars qui nous a vendu des chocolats pour notre sœur. CJ. Des Carter qui n'a jamais cru en une vie avant la mort.
Escarter, il a donné sa vie pour le salut d'Albion. D'Albion, putain, pardon. D'Albion. Robert Cowley aimait à en mourir avec la, avec les nymphes. Il voulut dormir ainsi, poussa-t-il son dernier soupir. Pardon. Je sais pas très bien lire la France, hein. Ouais, on s'en fout, on a déjà lu ça. Sigil infâme, poète, Mister Hill s'est étouffé dans son propre verbiage. Poussez-vous, vous marchez sur la tête. Ils sont cons. Ils sont beaucoup trop cons, les gens. J'adore le monde. J'adore le monde est magnifique. Ok. Non. Tu vas voir si je suis un clown que j'oserais tous péter la gueule. Hop, voilà. Donc c'était pas non plus le live le plus oufissime de la planète, hein, mais c'est un bon jeu, Fable, hein. Peut-être pas le plus intéressant à regarder, ça je peux le concevoir, mais à jouer, non, faut tenter l'aventure, moi je dis. C'est un bon jeu. Je chante trop bien, hein, je sais. Hop. Donc on verra, hein, ça sera certainement des lives par intermittent, ce genre de conneries. Hop. On verra bien. Donc les 21h48, allez, on... Il est 21h48, il est 20h48, pas grave. Retournons dans la petite ville paisible d'Ogwald que nous avions quittée lors de notre enfance. Nous revînmes en homme, aguerri et prêt à venger la mort de notre petit papa. Eh bien, allons-y, gaiement. Oui, c'est moi, Chasse-Poulet, le plus grand héros de tous les temps. Dégainer certaines armes dans certaines zones n'est pas certainement pas autorisé. Attends, mais ta gueule, le jeu. Botte d'assassin. Étrange truc. Oh, oui, c'est vrai. Chemin de la falaise. Vous devez être discret pour atteindre le camp des bandits. Si l'un d'entre vous voit, il donnera l'alarme et fermera la porte. Ah oui, si putain, ça arrive, vous devrez attendre caché en attendant que les portes se rouvrent. Tellement chiant. Un intrus, fermez les portes. Oh putain.
Voilà, donc on attend. Et on se fait chier. C'est tellement débile. J'ai vraiment fait Chauvius le grand. Yo, c'est Canix. Comment vas-tu? Mais où sont les gardes? Envoyez l'autre homme. Donc moi je suis baisé. Mais écoute, nickel, nickel de mon côté aussi. Est-ce qu'on va pouvoir se planquer derrière cet arbre? Comme l'espèce dans l'espèce de petit ninja des forêts. Peut-être avec un peu de chance. Non mais nique-toi.